Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, nous sommes avec Valentin qui est une nouvelle fois derrière la caméra. On va essayer de reproduire la photo de profil de Damso. Alors, qui c'est Damso? C'est ce monsieur. Et donc, il y a Xenoverse qui a posé une question en dessous d'une de mes vidéos. Il m'a demandé est-ce que tu saurais reproduire la photo de profil de Damso? Du coup, plutôt que de lui répondre directement en commentaire, j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet. Et donc, avec Valentin, on va chercher une petite lumière bleue et... Enfin bref, vous allez voir, c'est parti. Alors là, ce qu'on cherche, c'est un petit endroit avec une lumière bleue pour qu'on puisse voilà, avoir les mêmes effets de lumière que Damso a sur sa photo de profil et dans ses lunettes notamment. Du coup, on a besoin de lunettes de soleil, de quelqu'un avec la peau assez bronzée, et de lumière bleue. Dans le fond, on a besoin d'un peu de lumière qu'on pourra flouter pour faire des effets sympas. Exactement, c'est exactement ce qu'on cherche. Je sais. Pas blanc. Et Valentino. On habitait dans un appart et tout, je me souviens. On était avec mon père et j'ai dit à mon père « Papa, mais est-ce que chanter, c'est un métier ?» Il m'a dit « Bien sûr !» Il m'a dit « Je veux que ce soit mon métier. Il va falloir travailler, mais très bien. » Donc voilà, on a trouvé le lieu idéal. On a donc cette lumière bleu-blanche va nous permettre d'éclairer le visage de Valentin. Les petites... Alors je vais montrer avec un peu de flou. Voilà, les lampes derrière, ça va faire ce genre d'effet. Valentin, je vais lui donner mes lunettes de soleil et puis on sera bon pour faire la photo. C'est parti. Alors du coup, l'objectif qui est installé sur l'appareil, c'est un 24 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un objectif grand angle, donc il capture vraiment une scène très très large. Pour faire la photo de Valentin, il faut un début de téléobjectif. Donc ça va être un objectif qui zoome relativement pas mal. Donc je vais utiliser personnellement un 85 mm, c'est mon objectif préféré, mais vous pouvez tout à fait acheter un 50 mm f1.8. Alors c'est un peu technique, mais voilà, ça coûte 100 € chez Canon, ça coûte 200 € chez Nikon, et c'est un super investissement. Avec un objectif comme ça, vous allez pouvoir faire des photos dans toutes les conditions lumineuses. Vous avez du direct. Voilà. Vous allez pouvoir faire des photos dans quasiment n'importe quelle condition lumineuse et vous allez toujours pouvoir avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc là, c'est aussi ce qu'on va chercher avec ces fameuses boules jaunes sur la photo. Donc c'est pour ça que je vais changer d'objectif. C'est parti. Voilà, donc je viens d'installer le 85 mm dessus et on voit tout de suite une nette différence sur le flou, sur les perspectives. Je vais prendre une photo comme ça et puis on verra ce que ça donne. Bon ouais, je crois qu'on a notre photo. Je crois. Je crois aussi. Salut à tous, c'est Valentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis avec mon ami Chris, que j'ai invité pour faire une photo. Pour reproduire la photo de Damso. Et vu qu'il était Renoir, bah c'était parfait. Du coup voilà, c'est Valentin que vous avez vu dans la vidéo. Si vous voulez mieux le connaître, bah je sais pas où est-ce qu'on peut te suivre, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me semble que t'es chanteur. Voilà. C'est ça, voilà, je chante. Je fais aussi du piano. Vous pouvez me suivre donc sur Twitter, Facebook et YouTube, et sur Instagram aussi. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, à vous abonner, je vous mets un bouton peut-être entre nous deux, je vais mettre le bouton par là, et ici je vais mettre ma dernière vidéo. Donc vous pouvez, comme d'habitude, cliquer sur la fiche que je vous mets juste ici, voilà, pour télécharger mon livre gratuitement qui vous apprendra à faire des photos un petit peu comme celle qu'on a fait de Valentin ce soir, donc avec un beau flou d'arrière-plan bien crémeux, pour faire des photos toujours très très nettes, et pour supprimer le bruit numérique quand vous prenez des photos en basse lumière, voilà, il y a du grain qui salit un peu votre photo. Je vous apprends toutes les techniques pour l'enlever proprement. Voilà, c'était Chris et Valentin et nous on vous dit à bientôt. Ciao.